Abonne-toi à MySports. Malguine encore, le tir de Malguine est goal. Et bien voilà l'ouverture du score. Et 10 minutes et 19 secondes de jeu. Il a fallu un effort personnel de Malguine qui inscrit son 13e but cette saison, son 3e en 6 matchs. Malguine qui ne laisse aucune chance là. Ouais, Malguine qui a le rebond favorable et ensuite l'accélération. Le tir imparable. Ouais, regardez l'abnégation là de Malguine qui vient extirper le puck de la mêlée. Et ensuite, bien c'est la classe de Denis Malguine. Tobirbaum, Hollenstein, la tentative, le puck qui traîne là devant Wolf. Et c'est but, le but qui a été validé, le palais qui a bien été au fond. 21 minutes et 5 secondes de jeu. Alors, est-ce que c'est Sigrist qui est à la réception de ce tir? Ouais, c'est lui qui reprend là de voler. Mais le rebond de Wolf et Sigrist, reprise de volée. Une reprise de volée bien en dessous hein, de la Bafil Baltisberger, puis Chepi et Pedretti qui va se présenter tout seul. Pedretti, et c'est le troisième. Pedretti qui marque face au HCA. 22 minutes et 9 secondes de jeu. Pedretti qui n'a pas manqué l'occasion de son 5e but cette saison. Le 82e de sa carrière, Marco Pedretti. Ouais, la petite feinte, le tir du revers de la crosse. Et ça fait 0-3. Pris le temps de s'excuser auprès de Kenville, mais Kenville là qui discute avec les arbitres alors qu'un homme est tout seul devant Wolf, la passe de l'autre côté. Et c'est le 4e et le doublé pour Malguine. 26 minutes et 10 secondes de jeu. Et c'est désormais 0-4. Ajoie qui n'y est pas en ce début de période. Doublé pour Malguine. Sur cette assise de Sigrist. Ouais, la fan de Sigrist. Malguine de l'autre côté. Tim Wolf ne peut absolument rien faire. Parce que même si le déplacement droite-gauche de Wolf est bon, regardez où loge le puck Malguine. C'est sous la latte. Noro. Phil Baltisberger et c'est le 5e. 0-5 cette fois-ci. 26 minutes et 45 secondes de jeu. Phil Baltisberger qui envoie un missile dans la cage jurassienne. Où est-ce que c'est Bodenman? Ouais, c'est Bodenman, c'est le 26. Ouais, alors c'est allé extrêmement vite et temps mort. Demandé par Ajoie. Changer de ligne. Knell Wolf qui laisse derrière lui le tir et goal. Et bien voilà le but de la part du HCA, c'est Jérôme Leduc. 35 minutes et 40 secondes de jeu. On avait dit que Leduc avait un bon tir. Assiste Knell Wolf. Ouais, le Duc là, il est en parfaite situation. Le tir du poignet. Ouais, avec l'aide du poteau au-dessus de la mitaine. Le tir de Lundstein, le petit traîne et goal. Et voilà le 6e pour les Uriquois, 59 secondes du terme. 59-01. Hollenstein qui marque le 1-6.
Travail de Malguin. Ouais, c'est Roman Engi là qui trompe son gardien en déviant ce puck. Et ensuite Hollenstein qui pousse au fond